transmission électrique pourrait m'aider. Dernier bastion de l'Hélium avant l'Ouest brûlé. Une corne Karja. Elle annonce peut-être le début de l'ambassade. Bon, trouver qui commande ici. Mais d'abord, il faut que je fasse le plein dans ma réserve. Et je pourrais peut-être fouiller un peu. Ah, sauveuse. Dis-moi, est-ce que tu ne chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme par hasard? Peut-être. Pourquoi cette question? Ah. Eh bien, pour tout dire, il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténacs ? Bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Cagnard, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et, n'oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Cagnard. On achètera toute la ferraille que t'auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Garantie. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir ces foutues portes, hein. J'ai bien l'impression que je suis pas la seule à vouloir que ces portes s'ouvrent. Voilà Erend. Et... on dirait qu'il a un coup dans le nez. T'as l'air de sale humeur. Messieurs. Ah, j'ai affaire. Alors, on se détend? Si la fin du monde approche, j'ai pas envie d'être sobre. Laisse-moi deviner. T'es pressé, c'est ça? Alors vas-y, demande ce que tu veux. Comment ça s'est passé, depuis... Depuis ton départ en douce? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avad à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour en tirer ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Vouadis par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pattes et je te crois. Écoute, je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa, comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des funérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. Qu'est-ce que tu sais sur l'ambassade? Pas grand-chose.
Je sais qu'Avad veut vraiment qu'il ait lieu. Il tient à faire la paix avec les Ténac. Mais à ce que je sais, ils sont pas très branchés diplomatie. Ils signent leur traité avec des lances et des flèches. Alors si tu vas chez eux, prépare-toi. Ça peut vite dégénérer avec eux. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest prohibé pendant les raids rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karja de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad pèle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste tachée de sang. Il vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est ça. Va donc faire tes trucs compliqués. Mais évite de disparaître complètement cette fois. Je promets rien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... si jamais t'as besoin de moi... je saurai où te trouver. Sobre avec un peu de chance. Je te promets rien. Sois prudente, Aloy. Sauveuse, tu es mon dernier espoir. Conover, c'est la sauveuse de Méridian, pas la tienne. Appelle-moi Aloy. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'éclipse... ils sont ici, dans les couards. Vraiment, Conover ? Aloy les a vaincus elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles, Laruvik, aller parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter, mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Laruvik a essayé de me tuer. J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Laruvik à l'éclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que Laruvik collaborait avec l'éclipse ? Eh bien, j'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot éclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendue, mais c'est dans le top 10. Parler de l'éclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Ténac s'en occupent. Nozar est quelqu'un de responsable. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et Laruvik ? Eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon... bizarre. Agité. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il s'est disputé avec un étranger. Et quand Laruvik a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais... il m'a entendu. L'étranger a filé et... Laruvik s'est jeté sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Des sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de Laruvik, plusieurs fois, et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je crois pas qu'il ait assassiné Laruvik sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'au fait. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié, pas vrai ? Non, mais il y a d'autres fanatiques de l'éclipse. Et étant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade, et il veut surtout pas de distraction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire.
La rencontre que tu as vue, tu as entendu quelque chose au sujet de leur plan? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans les couards, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'intéresse? Pas toi? Eh bien, en fait, non. Ma journée était déjà pourrie, et voilà que c'est de débiles qui ont choisi d'escalader cette foutue montagne pendant mon service. Ce serait pas si grave si ce type était pas si lourd. Attends, tu as dit deux? Les bouchers? Ouais, deux. J'en ai entendu une autre crier de là-haut. Apparemment, elle est coincée entre des crocs mortels et une chute mortelle. Quelqu'un a des problèmes. Tu ne vas rien faire? Elle l'a cherché. Et je suis déjà assez occupé avec celui-là. Tu ne comptes pas lui venir en aide? Parce que toi, oui. Quelqu'un a des ennuis en haut de cette falaise. Je ferais mieux de l'escalader. Je dirais que je suis sur la bonne voie. Mieux vaut ne pas traîner. Je suis sûre qu'un cuisinier pourrait en faire quelque chose.
l'exploration des creusets peut m'apprendre à pirater ces machines. Je veux te remercier proprement. Tu es blessé? Ça ira. Tu n'aurais pas vu mon soi-disant garde du corps en montant? C'était dur de le rater. Il est mort. Oh là! Voilà ce qu'on gagne à croire. Le premier poivreau de la taverne qui prétend être un chasseur de machines de haute montagne. Au moins, j'aurais pas besoin de le payer. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une ancienne tour de signal. Le mécanisme utilisé est composé d'une lentille spéciale qui peut être très recherchée dans certains milieux. Et comme les Karja ont prévu de les démonter, je voulais récupérer la lentille avant qu'elle soit détruite. Si tu me la rapportes avec les lentilles des autres tours, je te promets que tu ne le regretteras pas. Tu as dit que c'était une tour de signal. À l'époque, c'était vraiment impressionnant. Les 6 tours, tout illuminées, tout autour des couloirs. Elles servaient à prévenir les gens de l'arrivée des Ténac. Enfin, pour ce que ça leur a servi. Comme tu t'en doutes, les Karja n'ont pas regardé à la dépense pour les assembler. Voilà pourquoi ces lentilles de luxe ont besoin d'un nouveau foyer, avant que les tours soient détruites. Alors, t'es une voleuse ? Disons que je suis plutôt une opportuniste, avec un bon sens des affaires. Écoute, les Karja vont démonter les tours de toute façon. Elles n'ont aucune valeur pour eux. Ils essaient juste de faire copain-copain avec les Ténac. Tu vois, on a lésé personne. C'est une opportunité. Va dire ça à ton copain en bas. Bah, c'est de sa faute. Je préfère ne rien promettre, mais si j'y passe, je regarderai. J'en ferai autant avec les tours que je trouve. Merci. Aloy. Rena. Bon, Aloy, dès que je serai en état, je retournerai à Cagnard pour que ma cheville se repose. Mais je vais rester un peu, au cas où tu irais me chercher la lentille en haut de cette tour. Je dis ça comme ça, c'est comme tu le sens. Mais tu le regretteras pas. Je verrai ce que je peux faire. On sent comme un parfum.
Bon, j'ai trouvé. Je suppose que c'est la tour de signal. Alors, le métal réfléchit le soleil pour envoyer un message aux autres tours. J'ai la lentille. Je pourrais la vendre à Arena la prochaine fois que je la verrai. Tu as trouvé la lentille ? Peut-être. Ça peut se négocier. Ha ! Faisons affaire. Et voilà. Ça fait plaisir à voir. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Oh, et si jamais t'en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me rendre visite à Cagnard. C'est d'accord. À la prochaine. Sûrement la clairière où Conover dit avoir vu l'éclipse. Des traces de sang. Commençons par là. Je suppose que c'est ici que Conover a tué ce garde. Mon focus pourra peut-être me dire s'il y avait vraiment une troisième personne. Les pistes des soldats Karja qui ont fouillé la zone. Ça ne m'aide pas. Des branches brisées. Il y avait quelqu'un ici ? Des empreintes. Elles s'éloignent de Cagnard. Je devrais pouvoir les suivre avec mon focus. Voyons où ça nous mène.
Peut-être que Conover n'a pas menti. J'ai perdu la piste. Il y a trop de machines par ici. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. Apprendre à le faire, s'il y a un creuset ici. Réussir à retrouver la piste un peu plus loin. Je mets ça dans mon sac. Il y en a beaucoup. Celui qui a détalé par là a dû être blessé par la machine. Je devrais arriver à suivre les traces de sang avec mon focus. On dirait qu'il s'est dirigé vers ce pont. Poste de guet ici. Des bandages. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste. Où est-ce que tu es passé ? Mon focus pourrait capter un truc qui m'a échappé. La piste s'arrête ici. Il a dû grimper jusqu'à cette grotte. Avec cette blessure, il doit être à bout de force.
fait une couleur intéressante pour mon armure. Cet endroit offrait une cachette idéale. Que la Rubik soit morte. Il ne s'est pas montré au point de rendez-vous. Et cet imbécile de garde l'a tué, va essayer de dégonfler. On a juste à faire sauter les portes pour passer. Et ensuite, Rayad était notre seul lien avec Vezeray. Et lui aussi il est mort. On trouvera nous-mêmes Vezeray s'il le faut. Mais avant, il faut traverser Cagnard. À la prochaine relève, on y va avec perte et fracas. Conover avait raison. Il faut les arrêter avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Par ici. Allez. Bon été. Il doit y avoir d'autres soldats de l'éclipse au-delà des couloirs. Si ce Rayad était leur seul contact avec eux, il a peut-être un focus. Il pourrait me dire où ils sont.
suppose que c'est Rayad. Je le savais. Rayad a un focus. Chers adeptes, si vous voyez ceci, vous avez quitté l'Hélium en quête d'un nouvel objectif. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. Je vais devoir aller voir ce Vezeray et tuer son nouvel empire de l'éclipse dans l'œuf. Les coordonnées ici. C'est après Cagnard. Le masque de Rayad devrait suffire à prouver l'innocence de Conover. Il faut le rapporter à Cagnard. On a repoussé l'éclipse à Méridien. Je pensais qu'on en avait terminé. Je crois que je me suis trompée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On doit pouvoir en tirer une couleur vive. Ce campement est abandonné depuis longtemps. Une autre tour de signal. Il y a peut-être une lentille pour Rena au sommet. Thank you.
tour tient à peine debout. Voilà Cagnard. Et l'Ouest prohibé juste après. L'une des tours de signal. Il doit y avoir une lentille que je peux rapporter à Reyna. J'ai la lentille. Je pourrai la vendre à Reyna la prochaine fois que je la verrai. Gina, je te détecte. Je vais m'en occuper. Turlis. Alors, t'as décidé de visiter la zone de chasse. T'as bien fait. Isvad a tout un tas d'épreuves. Et il propose à tous ceux qu'ils veulent de mettre leur talent de chasseur à l'épreuve. Ou comme disent les Ténac, gagner leur galon. Les zones de chasse, c'est pas les Karja? Oh, les Ténac en ont eu aussi dans l'Ouest. Mais si tu demandes aux Karja, ils te diront qu'ils ont volé l'idée à l'Hélium. En fait, les Ténac ont investi cet endroit après avoir viré les Karja de la région. Ils ont même laissé des pièces spéciales qui servaient de récompense à ceux qui gagnaient leur galon. Regarde, des médailles Karja, un butin de guerre. On peut les échanger contre de l'équipement dans les terres des clans Ténac. C'est macabre, je sais, mais c'est comme ce que faisaient les Karja pendant les Raids Rouges. Maintenant que j'y pense, si tu veux aller dans l'Ouest, je pourrais dire à Isvad de t'en donner, si tu gagnes des galons ici. Je suppose que ça pourrait être utile là-bas. Merci. Oh, et si t'aimes jouer à attaque, mon ami a des pièces plutôt sympas à échanger.
S'il te faut un truc pour les épreuves, viens me voir. J'ai du matériel qui te sera sûrement utile. Bonne chance. Il te faut le bon équipement si tu vas chasser. Me remets au boulot. Si tu cherches les médailles si prisées par les Ténac, tu peux en gagner ici, sauveuse. Oh, et j'aimerais te donner ça, si ça peut être utile, pour te remercier d'avoir aidé Turlys quand il était en danger. Prudence lors de tes voyages, sauveuse. Tu veux travailler tes compétences de chasse, sauveuse ? Dis-moi ce qu'il te faut. Tout est en place. Sers-toi des cordes pour commencer. Je pourrais lui envoyer de l'acide.
es doué. Voilà pour toi, sauveuse. La zone est à toi. Serre-toi les cordes pour commencer. L'acide lui ferait de gros dégâts. Les épreuves sont plus difficiles que tu le pensais, hein. Tu es prête pour une autre épreuve ? Descends avec les cordes et je lancerai le décompte.
Les épreuves ne sont pas simples, mais tu peux toujours réessayer. Tu es prête pour une autre épreuve ? La zone est à toi. Serre-toi les cordes pour commencer. Récompense bien méritée. Descends avec les cordes, et je lancerai le décompte. Wint est parti. Thank you.
Ta récompense, sauveuse. À une prochaine fois, sauveuse. Dis-moi ce qu'il te faut. À une prochaine fois, sauveuse. Tu t'entraînes à la chasse, sauveuse ? Salut, Rookin. Qu'est-ce qu'il te faut ? Je me remets au boulot. Les plateaux sont prêts. Si quelqu'un veut jouer à attaque. Son odeur. Ouais, après la pluie, il y a une odeur particulière. Voilà Erend. Et on dirait qu'il a un trou dans le nez. Regarde, soldat. Elle est de retour. Aloy, tu as trouvé quelque chose ? Des fugitifs de l'éclipse campaient de l'autre côté de la forêt. Ils se préparaient à prendre d'assaut Cagnard pour passer. Tu as sauvé de nombreuses vies. Aloy, tu sais bien que je te crois. Mais Nozar, tes mots ne suffiront pas à le convaincre. S'il a besoin d'une preuve, montre-lui ça. Et dis-lui que l'homme qui l'a incarcéré a risqué sa vie pour révéler et éliminer un espion de l'éclipse. Ah, finalement, tu es bien sa sauveuse. Félicitations, soldat. Tu es un homme libre. Tu pourras sortir d'ici avant la nuit. Je transmettrai ceci à Nozar. Ça y est, alors. C'est la fin d'Eclipse ? Presque. Les intrus dont tu as parlé, qui ont traversé Cagnard il y a quelques semaines, leur chef est dangereux. Et il est là-bas, dans l'Ouest prohibé. Il constitue une armée. Par le soleil, tu vas y aller pour l'arrêter, n'est-ce pas ? Je vais essayer. Je veux t'aider. Je peux me battre. Je sais bien. Mais tu as beaucoup souffert. Une fois sorti de cette cellule, profite de ta liberté. Tu le mérites. Élimine-les, sauveuses. Ah, elle risquerait de faire la tête au carré. Allez, personne n'est partant pour une partie d'attaque ? Oui, allons-y pour une partie d'attaque.
Bonne chance. C'est mon tour. À toi de jouer, mon ami. Débarrassons-nous de cette pièce. Le moment est venu d'agir. Il faut que je continue comme ça. Une de moins. À mon tour. Faut que je réfléchisse. C'est fini pour elle.
Tu as gagné. Il me reste beaucoup à apprendre, on dirait. Livrons-nous bataille. À toi. Bon, je peux y arriver. Sors du plateau, mon ami. Machine à terre. Tu sors du plateau, mon ami. Et c'est fini pour elle. J'ai fini. À mon tour. Débarrassons-nous de cette pièce. Tu as perdu, mais n'hésite pas à réessayer. C'est parti. Je réfléchisse. Une de moins.
machine à terre. Le moment est venu d'agir. C'est ton tour. Et c'est fini pour elle. Bon, je peux y arriver. Et la victoire est pour moi. On recommence ? Allons-y. Que comptes-tu faire ? Oh, c'est mon tour. À toi de jouer, mon ami. Je pensais avoir tout prévu, et voilà que tu fais ça. Oh, c'est mon tour. Machine à terre. Sors du plateau, mon ami. Débarrassons-nous de cette pièce. Le moment est venu d'agir. J'ai gagné. C'était une belle partie. Il est temps de s'y mettre. Que comptes-tu faire ? À mon tour. Une de moins.
Et c'est fini pour elle. Bon, je peux y arriver. Une de moins. Tu sors du plateau, mon ami. Machine à terre. J'ai fini. Faut que je réfléchisse. J'ai gagné. C'était une belle partie. C'est parti. C'est à toi. Il faut que je réfléchisse. C'est ton tour. T'as plus envie de jouer? On peut s'arrêter là. J'attends notre prochaine partie avec impatience. Personne veut jouer à Attack? Vraiment? Non, je... Alors, t'as raison. T'as eu le temps de pleurer un peu les...